Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nombreux à me demander comment est-ce que je peux trouver un tel livre sur Internet, comment est-ce que je peux télécharger tel livre, comment est-ce que je peux avoir un livre en mathématiques ou bien en informatique, ou bien même des livres classiques comme, je sais pas, L'Alchimiste de Paulo Coelho, ou bien L'Enfant Noir de Camaralai, ou bien L'Aventure Ambiguë. Donc il y a pas mal de personnes qui me posent des questions. Comment est-ce qu'on peut trouver ces livres-là sur Internet gratuitement? Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est trois ou quatre astuces qui vous permettent de trouver beaucoup de livres en ligne, mais il faudra savoir qu'il y a certains livres que vous n'allez pas réussir à les trouver gratuitement. Donc, voilà ce que je vais faire. Tout d'abord, il y a un site qui s'appelle PDF Drive, je pense. PDF Drive, nous allons le voir. Voilà, c'est pdfdrive.com. Je vais entrer sur ce site. Et là, on me dit que ce site-là, il contient 77 millions de livres en PDF. Donc, vous pouvez chercher des livres. Par exemple, je peux chercher Paulo Coelho, je ne sais pas, L'Alchimiste ou Manuel du Guerrier. Manuel du Guerrier, je ne sais pas, ça s'écrit comme ça ou... Voilà, il y a L'Alchimiste, il y a 11 Minutes. Ce site-là, il recense beaucoup plus les livres qui sont en anglais. Manuel du... Je sais pas, je vais taper sur Google pour voir le nom complet. Manuel du Guerrier. Paulo Coelho. Et puis, je vais copier le nom pour le prendre, quoi, le nom complet. Voilà, Manuel du Guerrier de la Lumière. Voilà, je le prends. Et puis je le colle juste après le nom de Paulo Coelho. Et là, si j'ai de chance, je pourrais avoir ce livre-là ici. Malheureusement, il n'est pas là, visiblement. Voilà, il n'est pas là. Donc, peut-être que voilà, j'ai l'alchimiste qui est là. Je peux avoir l'alchimiste. C'est le même auteur en fait. Donc, et pour le télécharger, je clique sur Download. Voilà, il est en train de télécharger le livre. Et sur ce site-là, vous pouvez trouver pas mal de livres. Hein. Je vous laisse regarder en tout cas et vous allez expérimenter vous-même. Là, c'est l'alchimiste. Voilà, comme vous le voyez, c'est le livre qui est là. Voilà. Donc, vous pouvez le lire facilement avec votre téléphone ou bien votre ordinateur. Donc, le site, c'est pdfdrive.com. Voilà, j'ai tapé sur Google PDF Drive et puis je suis tombé dessus. Je peux chercher d'autres livres, mais ça va prendre du temps, donc je vous laisse essayer. Et si jamais vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, essayez de m'écrire dans les commentaires de cette vidéo-là. Je vais vous réexpliquer les choses. Et éventuellement, je peux faire une autre vidéo dédiée uniquement à la recherche sur PDF Drive. Donc voilà, là c'est le premier astuce qui vous permet de trouver un livre gratuitement. Donc le deuxième, c'est d'entrer sur Google et puis taper le nom du livre. Par exemple, Manuel du guerrier de la lumière. Et puis je vais taper le mot-clé file type, donc deux points PDF. Il faudra bien vérifier l'orthographe. Hein. File type, c'est comme en français, file type. Et deux points PDF, c'est pas point virgule, c'est bien deux points. Et puis vous tapez sur entrée, ou bien vous cliquez sur recherche Google. Et là, vous allez trouver pas mal de résultats. Vous allez chercher parmi les résultats. En fait, le fait de dire file type PDF, ça veut dire donnez-moi les résultats qui sont des fichiers PDF. Et donc, les livres en général, ce sont des fichiers PDF. Là, j'ai un ensemble des résultats. Je peux vérifier le premier. Donc, je peux l'ouvrir pour voir qu'est-ce que c'est. Voilà. Et là, je suis tombé sur les livres, quoi. Voilà. Donc, je peux les lire facilement. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai écrit les noms et puis j'ai ajouté les mots file type des points PDF. Je peux par exemple chercher un autre livre, L'Enfant Noir, de Camaralai. Je pense que c'est ça, non? Donc c'est L'Enfant Noir. J'ai oublié le L apostrophe. Et là, j'ai un résultat. Je ne sais pas si c'est le livre ou non. Je peux cliquer pour voir si c'est bien le livre. Là, ce n'est pas le livre parce que c'est juste 6 pages. Donc je vais reculer. Et puis je vais cliquer sur le lien suivant pour voir est-ce que c'est bien le livre ou non. Là aussi c'est 9 pages, ça veut dire que c'est pas le livre, c'est une partie du livre ou bien un résumé ou un truc comme ça. Et là je vais chercher jusqu'à ce que je tombe sur le livre, si jamais il est là. Quelquefois vous n'allez pas le trouver. Et c'est ça en fait. Donc il y a des livres qui sont introuvables et il y a des livres que vous pouvez trouver facilement. Donc voilà.
Là aussi, c'est une tentative pour voir si c'est bien le livre ou non. Donc, si c'est le livre, c'est bien. Sinon, donc voilà, là aussi, c'est juste un document qui parle du livre. Voilà, donc j'ai pas réussi à les trouver, mais peut-être que si vous essayez les autres liens, vous pouvez retrouver le livre. Donc là, c'est la deuxième méthode. Donc c'est d'écrire le nom du livre avec éventuellement le nom de l'auteur et puis vous ajoutez file type 2.pdf. La troisième méthode, c'est d'accéder à Kindle. Kindle, c'est en fait un site web ou bien une plateforme, hein. C'est toute une plateforme parce qu'il y a le matériel qui est Kindle aussi, cette liseuse-là. Ils ont aussi un site web et ils ont aussi une application que vous pouvez télécharger sur votre téléphone. Donc dès que vous téléchargez l'application sur votre téléphone, vous pouvez faire des recherches sur leur site web pour trouver des livres électroniques et puis vous allez pouvoir les lire. Je vous assure qu'il y a pas mal de livres qui sont en anglais qui sont gratuits. Il y a des livres aussi en français qui sont gratuits. Il y a des livres aussi en arabe qui sont gratuits. Moi, je me souviens, les livres de Dale Carnegie. Comment faire des amis ou un truc comme ça. Des amis, Dale Carnegie. Donc, moi, j'ai lu ces livres-là en version arabe. Oui, voilà, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un livre super intéressant. Il vous montre comment est-ce que vous pouvez avoir en tout cas, tisser des relations et avoir éventuellement des amis. En tout cas, comment est-ce que vous allez garder les relations avec les amis, quoi. Vous allez devoir les écouter, se soucier d'eux, parler avec eux avec sincérité, être à leur écoute. S'ils ont des problèmes, comment est-ce que vous allez les aider? Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Tout ça là, il s'est expliqué dans ce livre quoi. Moi, j'ai lu ces livres-là sur Kindle dans la version arabe et c'est gratos. Je ne l'ai pas du tout acheté, donc c'est un livre gratuit. Donc, je vous conseille d'installer l'application Kindle. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger sur pratiquement toutes les plateformes. Hein. Elle est même disponible sur Windows. Vous pouvez l'installer. Donc, je vous conseille aussi d'utiliser l'application Kindle pour trouver pas mal des documents qui pourraient vous être utiles, que ce soit dans l'apprentissage des langues ou bien dans d'autres domaines. Donc, ça, c'était le troisième point ou bien la troisième astuce qui vous permet de trouver des livres gratuitement. Il y a aussi YouTube. Bon, YouTube, c'est un site web qui est super intéressant aussi. Bon, je suis en mode navigation privée, donc je vais taper par exemple l'alchimiste. L'alchimiste. L'alchimiste Paulo Coelho. Audio. Donc ici sur YouTube, vous pouvez trouver certains livres en format audio. Et là aussi, il y a pas mal de livres qui sont en anglais, qui sont enregistrés sous forme audio et que vous pouvez écouter gratuitement. Voilà. Donc là, par exemple, c'est l'alchimiste. Vous pouvez trouver, je ne sais pas, le manuel du guerrier de la lumière aussi. Manuel guerrier de la lumière aussi en version audio, il est là aussi. Donc il y a pas mal de livres que vous pouvez trouver en audio. Je pense que même Réfléchissez et devenez riche, vous pouvez l'avoir. Hein. Réfléchissez et devenez riche. Là aussi, il y a le format audio qui est là. Donc vous pouvez juste l'écouter. Réfléchissez et devenez riche. Les lois du succès de Napoléon Hill. Les règles de la réussite. Lu par Jérôme Carette. Donc voilà, c'est un livre super intéressant que vous pouvez lire. Et là, par exemple, vous pouvez trouver d'autres suggestions dès que vous entrez sur un livre audio. Là, par exemple, Père riche, Père pauvre, c'est aussi un livre audio qui est super intéressant que je vous recommande vivement à écouter, quoi. Voilà, écouter et éventuellement les lire parce que vous pouvez maintenant très bien lire un livre en l'écoutant tout simplement. Donc ça fait partie des avantages de la technologie. Donc si vous entrez sur YouTube, je vous prie de ne pas seulement regarder de la musique ou bien faire d'autres choses. Mais vous pouvez aussi, en tout cas, écouter des livres. Et si vous êtes religieux, vous pouvez aussi, ou bien si vous avez, en tout cas, si vous voulez écouter des notions sur la religion, par exemple, en islam aussi, ou bien sur d'autres conseils aussi, vous pouvez trouver pas mal de livres qui pourraient vous intéresser. Et bien évidemment, vous pouvez taper Coach Master, et puis Livre pour leader. Là aussi, vous allez trouver quelques résumés des livres, quoi. Voilà, c'est des livres que j'ai résumés avec. Bon, c'est mon ami Sal qui a résumé ses livres. Donc, c'est des livres très intéressants. Là, vous pouvez voir l'alchimiste qu'il a résumé en quelques minutes. Et puis là, c'est le livre L'enfant noir. Donc, c'est aussi des livres qui pourraient vraiment vous être utiles. Donc, essayez d'utiliser aussi YouTube.
Et bien évidemment, si vous entrez sur la chaîne Coin Monster, vous allez trouver pas mal de choses qui pourraient vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour trouver pas mal de choses qui pourraient vous être utiles. J'espère que cette vidéo vous a montré les astuces qui vous permettent de trouver des livres, en tout cas des versions PDF de certains livres. Je vous le répète, hein, il y a des livres que vous ne pouvez pas trouver sur Internet gratuitement. Donc les moyens que je vous ai proposés, je peux vous les répéter, hein, c'est PDF Drive. Il y a aussi le mot-clé FileType 2.pdf. Il y a aussi Amazon Kindle que vous pouvez télécharger sur votre téléphone ou bien sur votre ordinateur ou bien sur votre Mac. Et finalement, les résumés sur les livres audio sur YouTube. Et bien évidemment, la chaîne Coach Master qui pourrait aussi vous être utile pour trouver ce genre d'astuces. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou bien si vous avez des suggestions ou bien s'il y a des sujets qui pourraient vous être utiles et que je pourrais éventuellement traiter. Donc n'hésitez pas à mentionner cela dans les commentaires. Merci bien et on se verra une autre fois. Ici c'est Coach Master. À la prochaine. Ciao!